N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes du Christ. Ouvrez toutes les frontières. Ouvrez tous les systèmes économiques et tous les régimes politiques. Ouvrez les vastes champs de la culture, de la civilisation et du développement. N'ayez pas peur. Nous avons un nouveau pape, Carol Wojtyla. C'est un pape qui a connu dans sa vie des épreuves. Il connaît le cœur humain. L'homme d'aujourd'hui est souvent tourmenté par le sens de sa vie. Il est rongé par le doute qui se transforme en désespérance. Ouvrez toutes grandes les portes du Christ. Ouvrez toutes les frontières. Ouvrez tous les systèmes économiques et les régimes politiques. Ouvrez les vastes champs de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur. Bien souvent, l'homme ne sait pas quel partout fait sur son cœur. Mais le Christ, lui, le sait. Laissez le Christ converser avec vous. Zona. N'ayez pas peur. Il vous écoutera. Croyez-moi, lui seul peut comprendre et transmettre la vérité de la vie. Oui, la vérité de la vie éternelle. Le Christ sait ce qu'il y a au fond du cœur des hommes. Lui seul le sait. N'ayez pas peur. No tengáis miedo. Cristo sabe que hay en el corazón de los hombres. Él solamente lo sabe. Solo él. C'était inimaginable et imprévisible. Camarade, avez-vous lu le télégramme de Londres? Il semble insinuer que nous pourrions... Le chargé d'affaires est fou s'il s'imagine que le pape va nous laisser influencer son église. Que savez-vous de Wojtyla? Je veux dire, avez-vous un dossier sur lui? Non, je connais très mal son passé, mais j'en sais suffisamment. Et bientôt, soyez sûr que je saurai absolument tout. Certains d'entre vous ont peut-être été surpris par le discours que j'ai prononcé, place Saint-Pierre. Ah ! Écoutez, j'ai été le premier surpris, je vous assure. Ces paroles dormaient sans doute en moi depuis très longtemps. Et je suppose qu'elles ont pris racine dans la foi, dans la culture, dans l'histoire si souvent tragique de ma patrie. Et je voudrais vous dire encore une fois que vous avez été extrêmement courageux de m'avoir choisi entre tous pour être l'évêque de Rome. Un dernier vers. Un dernier vers d'adieu avant que nombre d'entre vous regagnent leur diocèse. Et une pensée particulière pour le cardinal Wyszynski, qui est mon mentor. Et maintenant, rendons grâce à Dieu de nous avoir tous rassemblés. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au commencement, maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais j'ai un ami très cher qui est malade et que je dois visiter. Pardonnez-moi. Je vous en prie, restez. Mais, Saint-Père, je n'ai pas eu le temps d'organiser votre escorte et de contacter le bureau du préfet de police. Vous ne pouvez pas sortir comme ça? Ça ne se fait pas. Est-il vraiment si difficile de trouver une voiture pour le pape? Non. Juste une voiture. Avec un peu d'essence, bien sûr. Ah oui,
A-t-il conscience qu'il est aujourd'hui le chef suprême de l'Église universelle? S'il en était conscient, il ne s'adresserait certainement pas à chacun comme il le fait. Stanislas, ils ont mis un sacré poids sur mes épaules, hein? À Cracovie, nous étions 5 au service de l'archevêque. Au Vatican, il doit bien y avoir 3000 personnes à votre service, mon père. Je ne connais strictement rien à la curie romaine. Comment pourrais-je vous servir de secrétaire? La responsabilité est trop grande. Laissez-moi retourner à Cracovie. Vous voulez vraiment me laisser seul ici? Que vais-je devenir sans vous? Vous êtes ma mémoire, vous êtes... Vous voulez vraiment retourner à Cracovie? Dans ce cas, moi aussi, j'y retourne. Nous y retournerons, mais pas tout de suite. Bientôt. Alors, c'est quelle chambre? Marek. Saint-Père. C'est ici. Carol. Vous êtes devenu pape. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu voir mon ami. Voilà. Saint-Père. Tout le personnel de l'hôpital et les malades attendent votre visite à côté. Je reviens tout de suite. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, t'es drôlement lourd, toi. Bonjour, les enfants. Bonjour. Toi aussi, tu veux que je te prenne? Ah, si. Vous m'avez appelé et me voilà. Bonjour. Quoi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Victoria. Victoria. Qu'est-ce que c'est? C'est une pomme. Oh, une pomme, très jolie. Oh, il faut que je m'assoie. Comment t'appelles-tu? Dis-lui comment tu t'appelles. Je m'appelle Rocco. Rocco? Oh, c'est un nom qui vient du Nord. Tu le savais? Ça veut dire « homme grand et fort », comme moi. Quand vous étiez petit, vous vous battiez avec les autres petits garçons? Oh oui. Oh oui, et avec les filles aussi. Vous êtes content d'être pape? Très content, bien sûr. Si j'étais triste, à quoi je servirais? Le pape doit montrer sa joie de vivre. Vous préférez les filles avec des nattes ou sans nattes, comme moi? Avec ou sans nattes, c'est pareil. Mais je les aime encore plus avec un petit bonnet. Un instant, un instant. Je vous en prie. Merci. Merci infiniment pour cet accueil chaleureux. Et merci à ceux qui sont venus à mon secours. Sans eux, le pape aurait dû sans doute rester ici. Merci. Vous pouvez entrer, mes sœurs. Oui. Pardonnez-nous, Saint-Père. Nous avions l'habitude de voir l'archevêque de Cracovie vêtu de noir de pied en cap et nous voici aujourd'hui si proches du pape. Et pourquoi aujourd'hui êtes-vous si proche du pape? Voici sœur Tobiana. Son travail consiste à s'assurer que tout se passe bien. Combien de langues parlez-vous? Quelques-unes, mais ça ne suffit pas. Voici Euphrosina, qui s'occupe de la correspondance. Mm-hmm. Fernanda est chargée de l'intendance. Hmm? Mathilda de votre garde-robe. Et Germana de la cuisine. Donc le pape est prisonnier d'un couvent polonais. Merci pour tout ce que vous faites. À propos de correspondance, j'aimerais que toutes les requêtes de prière soient traduites et ensuite qu'elles soient placées, disons, ici. Toutes. Comment vous appelez-vous? Marcel, très Saint-Père. Marcel? Vous savez, je suis nouveau ici et il faut que j'apprenne le nom de chacun.
Merci, très Saint-Père. Alors, pourquoi est-ce qu'un pape devrait négliger sa santé et sa forme physique? Ce qui est bon pour lui est aussi bon pour l'Église tout entière, non? Donc, si vous permettez, je vais aller skier. Mais que vont penser les gens? Il me semble peu digne d'un pape de faire du ski. Uniquement s'il le fait mal. Monseigneur Casaroli, exactement l'homme que je cherchais. Je veux que nous parlions du voyage au Mexique. Vous comptez aller au Mexique? L'épiscopat m'a invité, pourquoi voulez-vous que je refuse? Le Mexique est anticlérical constitutionnellement. Le gouvernement est plein de francs-maçons. Par conséquent, en tant que chef religieux étranger, vous n'auriez même pas le droit d'entrer dans le pays? Je ne peux donc y aller ni comme chef d'État, ni comme chef religieux. C'est une poudrière, l'Amérique latine. C'est pourquoi il faut y aller. N'acceptez jamais cette idée que l'humanité est divisée en deux blocs ennemis. Ou bien que la guerre est la seule façon de régler les relations entre États. Il faut veiller à ce que la religion ne soit pas confinée dans les sacristies. N'ayons pas peur de nous moderniser. Le Concile a encore beaucoup de travail. Il faut reconstruire l'unité de la chrétienté, parce que si nous autres chrétiens sommes divisés, comment espérer que le monde nous fasse confiance? Avec quelle stratégie? Comment faire dans un monde où règne la misère, l'athéisme communiste, et une société de plus en plus individualiste et de moins en moins chrétienne? Je réfléchis à une nouvelle évangélisation qui atteindrait les lieux les plus reculés de la Terre, l'Europe comprise. Nous n'en avons peut-être pas encore conscience, mais partout apparaissent des martyrs. Martyrs pour la cause de la foi, mais aussi pour la charité, pour la justice. Bilev. Camarade Konstantin Morozov. Camarade. Voici le rapport qu'on m'a demandé de préparer sur Wojtyla. Est-ce que vous pouvez résumer? Il marche sur les brisées du régime socialiste. Droits de l'homme, exploitation des travailleurs et liberté civique. Dans son premier discours, il a martelé ceci. C'est terminé le silence de l'Église. À partir d'aujourd'hui, elle va parler avec la voix du pape. Boris Dimitriev est à Rome. Ces hommes vont infiltrer le Vatican. Pendant ce temps, nous devons empêcher tout contact entre le pape et les églises que nous contrôlons. Nous allons entreprendre une campagne de presse contre lui pour démolir son prestige et son autorité. Au fait, quels sont ses points faibles? Précisément, ceux que d'autres considéreraient comme des points forts. L'optimisme et la confiance. Les cimetières sont pleins d'hommes confiants et optimistes. Les chrétiens doivent répondre à chaque défi de l'histoire, dictature, pauvreté, individualisme, conflit, par la force de leur espoir. Et l'Église doit répondre en étant toujours du côté de l'homme, de tous les hommes. Donc le premier à répondre doit être celui qui est à la tête de l'Église, en étant présent partout où le peuple souffre. Voilà pourquoi je veux et je dois aller au Mexique. Vous n'auriez pas un peu d'eau? S'il vous plaît, arrêtez. C'est trop dangereux, Saint-Père. Je vous le demande. Abouyaya! 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 Arrêtez! Arrêtez! Non, non, laissez-le passer! Laissez-le! Laissez-le! Où va-t-il? Tata! Tata! Malabekouyo! Malawasiyo! Quiète! Non, 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 non comprendo! Il dit qu'il n'a ni maison ni nourriture pour ses enfants. Un travail. Mio caico il lestiapa su yakui nun caico nisca. Imaina caipi su yakui ca causa. Vous dites que nous sommes l'espoir de l'Église, mais regardez dans quel état est cet espoir. Apokash kokura chulikunai kumanta aswal mikuita mikunku.
Les chiens de ceux qui dirigent notre pays sont mieux nourris que nos enfants. Nous voulons bien que le Christ soit blanc, et il doit être aussi indien. Le Christ est indien. Cristo Karuna. Comme il est noir, comme il est blanc, il est de la couleur de tous les hommes qui souffrent. Oh. Le Christ souffre aussi pour les enfants, tous les enfants. En son nom, je promets d'être la voix de ceux dont on n'entend jamais la voix. La voix de ceux qui n'ont pas droit à la parole. Ça ne devait être qu'une visite privée, mais il a attiré des millions de personnes. Comment ? Au Mexique, l'Église n'a pas la moitié de ses pouvoirs. C'est comme ça. Et c'est ce qu'on devra affronter dorénavant. Éteignez-moi ça. Le Mexique est loin. Le Mexique ? C'est la porte à côté, voyons. Wojtyla va empêcher toutes sortes d'accords qui pourraient rapprocher l'Église sud-américaine et le mouvement marxiste. Alors barrons-lui le chemin. Quel clown. Quel bouffon. On ne le trouve pas. Où est le père Stanislas ? Dans les appartements du Saint-Père, mais le Saint-Père n'est pas là. Et le père Stanislas ne sait pas où il est. Seigneur, on a perdu le pape. Suis-je en retard ? Saint-Père. Saint-Père, je suis l'évêque de San Salvador. Ah. Oscar Romero. Pardon de vous avoir dérangé. Je sais que le Vatican a reçu des rapports très critiques sur moi. L'évêque rouge, c'est ainsi qu'on vous nomme. Si je nourris un homme affamé, je passe pour un saint. Mais si je demande pourquoi cet homme est affamé, je passe pour un communiste. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai été nommé évêque parce que j'étais considéré comme un conservateur. Et vous ne l'êtes plus ? À force de les relire, j'ai de mieux en mieux compris le véritable sens des évangiles. Asseyez-vous. Non, non, ce n'est pas la peine. Je vous en prie. Allons. Saint-Père. Les hommes qui dirigent mon malheureux pays paient les politiciens, l'armée et les escadrons de la mort. Et ils aimeraient bien payer l'Église également. Ils ont tué des centaines de personnes. De nombreux prêtres sont morts. Il y en avait même de si horriblement mutilés que je n'arrivais pas à les regarder. Donc vous pensez que la seule solution est un conflit armé ? Aucune justice n'est le fruit des bombes et des assassinats. C'est ce que je prêche. Ni le marxisme, ni le capitalisme ne sauveront notre pays. Je me trouve entre deux feux, armé de simples paroles et de prières. Ah, vous êtes là, Saint-Père. Tout le monde vous attend pour la conférence. Nous en reparlerons. Transmettez ma bénédiction à vos fidèles. Que pensez-vous de Romero ? Tourmenté, mais lucide. Certains évêques de San Salvador en disent du mal parce que beaucoup de fidèles ont fini par les abandonner pour suivre Romero. Les Américains réclament sa destitution. Ils l'accusent de favoriser et d'encourager une révolution gauchiste. Et quel est votre avis ? Je pense que l'Église n'a pas pour mission de plaire aux puissants, mais d'agir en accord avec les évangiles et avec la conscience qui lui vient de la foi. Pénétrer dans la réalité de ce monde, cela vous donne une vision très différente. J'avoue que j'étais trop prudent, mais je pense que ce voyage apportera des changements considérables. Êtes-vous inquiet, Saint-Père ?
Je me demande ce que les évêques d'Amérique latine attendent de moi. Ils sont si divisés. Oui, mais c'est parmi les prêtres et le peuple qu'on sent une aspiration à un changement radical. Ils espèrent trouver la justice à travers la violence. Le véritable scandale, c'est que ces soi-disant régimes de sécurité nationale prétendent avoir une inspiration chrétienne. De plus en plus souvent, nous voyons apparaître la tentation d'une réinterprétation des évangiles. Celle-ci trouve sa source dans des considérations spéculatives bien plus que dans la méditation sur la parole de Dieu ou un profond engagement. Ainsi qu'il en était pour le Christ, le seul devoir évangélique est de se tenir du côté des pauvres et de venir en aide à ceux qui souffrent. L'Église doit être unie et elle doit défendre son indépendance face à tous les régimes politiques et toutes les idéologies. Son seul choix doit être celui de l'être humain. Dépositaire d'un droit inaliénable, celui de vivre dans la dignité. Car l'être humain a le droit non seulement d'avoir plus, mais d'être plus. Je le dis, je le crie à tous ceux qui violent les droits de l'homme à travers le monde. Respectez l'homme, car il est à l'image de Dieu. Vous représentez le continent de l'espoir. Et tous, oui, nous tous devons être les gardiens de cet espoir. Vous, les puissants de ce monde, vous qui avez été élus pour venir en aide à vos peuples, je veux que vous sachiez que la conscience des hommes, le cri de ceux qui ont faim et la voix de Dieu vous disent par ma voix, tout ceci n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. C'est inhumain. Ce n'est pas chrétien de laisser se prolonger une telle situation. Que la peur envahisse le cœur de ceux qui se servent de la violence pour défendre leurs privilèges. Ça suffit. Ça suffit, toutes ces souffrances. Troisième. Laissez tomber, il est toujours en panne. Prenons l'escalier. On a besoin d'une arme de haute précision. Vous en avez besoin... où ça? En Italie. Qui dirige cette opération? Combien allez-vous nous prendre? Nous avons un idéal, nous ne sommes pas des mercenaires. Alors, qu'est-ce que vous êtes? On nous traite de terroristes. Vous écoulez de l'héroïne? Pourquoi vous vous adressez à nous? Parce que vous allez jusqu'au bout. Combien? 3 millions de marques. Payables où ça? En Allemagne, Düsseldorf. Je vous donnerai le numéro de compte et le nom de la banque plus tard. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir.
Il ne rate jamais sa cible. C'est un tireur d'élite. Mehmet Ali Atcha. Il a une haute opinion de lui-même. Il sait qu'il est très fort. Il a la tête sur les épaules. Vous payez, il tue. C'est le meilleur sniper que je connaisse. Il est en ce moment dans la prison militaire de Kartal Maltepe. Qui se trouve ? À Istanbul. On peut le faire sortir sans problème. Et la cible ? Nous l'appellerons l'homme en blanc. Le dîner est prêt. Je dois d'abord travailler. Si le dîner refroidit, Sœur Germana me fera une scène. Je sais. Elle se plaint de ne jamais savoir à quelle heure le dîner doit être prêt et le nombre de convives. Des invités ce soir ? Non, non. Mais il est tard. Non, non, c'est à chaud, c'est à chaud. Je vous en prie. Très bien. Stachou, pourquoi vous m'avez pas ? Si j'avais su. Je m'appelle Elena. Elena. Oh mon Dieu, quelle surprise. Elle a des yeux. Je sais. Viens. De quoi as-tu peur ? Dien dobry. Dis donc, j'espère qu'on t'a appris notre langue au moins. Oui, mais je ne me souviens pas de quelle manière on doit saluer le pape. En lui serrant la main, avec une bonne poignée de main. Oui, oui, c'est ça. Je n'arrive pas à croire qu'on est ici. Merci. Merci d'être venu. Zachodź, że słoneczko, skoro masz zachodzić. Zachodź, że słoneczko, skoro masz zachodzić. Tu n'étais même pas dans le ventre de ta mère quand tes parents se sont échappés de Cracovie. Je me rappelle quand tu es venu me l'annoncer, dans le cloître de Saint-François. Carole ! Qu'est-ce qui se passe ? Pavel et moi, on s'en va. Comment passerez-vous la frontière ? Dans le double fond d'un camion. Quand ? Cette nuit. Nous partirons cette nuit. Je ne veux pas quitter la Pologne. Je veux rester polonaise. Tu seras toujours polonaise. Toujours. Ton enfant aura droit à ce sourire. Jusqu'à la fin de ses jours. Elena vient d'obtenir son diplôme universitaire. Et avec mention. Qu'est-ce que vous étudiez ? La sociologie. Je suis extrêmement fière d'elle. Elle est beaucoup plus intelligente que moi. Maman. C'est le plus beau compliment qu'une mère puisse faire à sa fille. Vous savez, quand maman parle de la Pologne, elle finit toujours par pleurer. C'est parce que tous les Polonais sont des romantiques. Tu sais ce que ça veut dire, romantique ? C'est en général ce que dit papa quand Elena tombe amoureuse. Tais-toi, voyons, Yann. C'est exact. On peut être amoureux de beaucoup de choses. Ta maman est amoureuse de son pays. Et donc elle souffre. Elle souffre beaucoup d'en être éloignée. Vous êtes une belle petite famille. Nous sommes en exil depuis de si longues années. Pavel n'aura pas vécu assez longtemps pour revoir son pays. Votre exil va finir. Vous devez dorénavant oublier la Pologne. Mais je sais que mon pays a besoin de moi. Supposons que votre visite soit un succès. Et après, qu'est-ce qui se passera ? Il n'en faudrait pas beaucoup plus pour détruire les faibles défenses que nous avons réussi à bâtir derrière le rideau de fer. Si vous franchissez seulement ce rideau, vous allez faire naître des espoirs de toutes sortes. Soyez assuré que c'est une décision très difficile pour moi.
Mais le monde, en particulier le monde communiste, jamais ne changera si nous continuons à l'accepter tel qu'il est. En Pologne, le gouvernement n'a pas pu refuser. C'est un pays catholique. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est ajourner sa visite. Cacciaroli est un homme très habile. Le camarade Brezhnev est très contrarié. Il continue à affirmer qu'un pape polonais sera une source d'ennui perpétuel. Nos correspondants au Vatican disent qu'il est très mal intentionné à notre égard. Tiens. C'est un passeport indien. Tu t'appelles Gurudas Banerjee. J'aurais du mal à le prononcer. Gurudas Banerjee. Pour toi. Où est-ce qu'on va maintenant? Iktera. Ensuite? Iran. Sur cette terre où je suis né, et dans laquelle s'enfoncent les racines les plus profondes de mon cœur et de ma vie. Le Christ est la clé qui permet de pénétrer à l'intérieur du cœur humain. Sans lui, il est impossible de comprendre la Pologne et son histoire. La mission principale de l'Église est de rendre l'homme meilleur, plus conscient de ses droits et de ses devoirs, plus confiant, plus courageux, plus responsable sur le plan moral et social, et surtout moins égoïste. Éteins cette caméra, elle ne servira pas à l'antenne. Il est totalement absurde de faire la guerre à l'Église. Et il est inhumain d'exclure le Christ de l'histoire de l'humanité. En tant que slave et pape, je suis ici pour montrer l'unité spirituelle de notre vieille Europe. Et cette spiritualité traverse les frontières, parce que nous sommes tous, oui tous, membres de la même famille humaine. Bâti avec le ciment de l'amour et de la solidarité. Arrêtez-moi ça. Coupez le sang. Coupez le sang! Des millions? Oui, des millions. Aussi bien des fidèles que des non-croyants. Toute la Pologne était rassemblée autour de cet homme qui criait « Nous vous aimons, Kochamit Shibye ». Il a parcouru le pays en martelant sa formule favorite « Affranchir l'esprit humain ». Et en répétant que le patriotisme et la foi pouvaient bâtir un monde meilleur sans frontières. Le camarade Gierek a fait une erreur catastrophique en permettant à Wojtyla de pénétrer en Pologne. Je m'agenouille à Auschwitz. Ce Golgotha moderne. J'entends les cris des êtres humains qui ont été martyrisés ici. Je me demande où s'arrêtent les frontières de la haine.
où s'arrête la capacité de destruction et de cruauté de l'homme. Je ne parle pas pour accuser, mais pour me souvenir. Je parle au nom de toutes les nations, où les droits de l'homme continuent à être ignorés, bafoués, violés. Depuis combien de temps êtes-vous ici ? J'ai prié avec vous. J'ai entendu parler d'Oslo et du prix Nobel. Je vous remercie pour votre courage. J'ai parlé au nom des enfants qui ne sont pas encore nés. Ma mère, j'aimerais que vous soyez mon ambassadrice de la vie dans vos voyages à travers le monde et que vous parliez en mon nom dans tous les endroits où je ne peux pas me rendre. Vos paroles sont très fortes et transmettent un message qui touche profondément les gens. Elles sont beaucoup plus efficaces que mes paroles. Mais... Saint-Père, je... Ma mère, le pape vous le demande. Je vous en prie. Continuez à défendre la vie et la famille. À défendre les femmes et leur dignité. Oh. Je vais me rendre en Inde. Et j'irai vous voir chez vous, ma mère. Alors, je vais vous attendre. Saint-Père. Oui ? Romero a été assassiné. Je me trouve entre deux feux, armé de simples paroles. Nous l'avons abandonné. Les cris et les plaintes de notre peuple, de plus en plus douloureux, monte vers le ciel. Les plaintes des fils et des filles de nos paysans, abattus simplement parce qu'ils sont soupçonnés de prêter main forte aux rebelles. J'ai clamé en vain qu'aucun homme ne peut porter la main sur un autre parce que les hommes sont à l'image de Dieu. J'ai clamé en vain qu'une terre souillée de sang ne portera jamais de fruits. Alors prions ensemble. Pour que le monde ne se détourne pas de notre malheureux pays, où des hommes paient d'autres hommes qui ont pour seule mission de tuer d'autres hommes qui sont leurs frères. Dieu a semé la bonté sur terre. Aucun enfant n'est méchant de naissance. Aucun homme ne naît criminel. Ni bourreau, ni assassin. Que le corps et le sang du Christ qui s'est sacrifié pour nous nourrissent notre propre corps et notre propre sang, afin que nous puissions nous sacrifier à notre tour et semer sur la terre la paix et la justice. Cette période, les 60 jours qui ont changé la Pologne, la classe laborieuse s'est soulevée contre le parti unique et autoritaire qui aurait dû logiquement lui servir de guide.
C'est ainsi qu'est né Solidarnosc, le premier syndicat indépendant du Bloc de l'Est. Son leader, Lech Walesa, a déclaré que la visite du pape avait contribué à améliorer le climat social et à surmonter la peur. Cette visite, a dit Walesa, nous a permis de nous remettre debout et de nous sentir plus forts. Le père Jerzy Popielusko, c'est un fils de fermier. Il a travaillé dans un hôpital avec des jeunes comme aumônier. Et il est très proche des travailleurs. Il est généreux et courageux. Un bon prêtre, j'imagine. La place de l'Église sera toujours auprès du peuple. Et quand le peuple est persécuté, l'Église doit être à ses côtés. Solidarité veut dire amour et respect des autres, mais aussi foi indéfectible en la liberté, même quand nous sommes esclaves. Défendre notre dignité est un devoir, car nous sommes les enfants de Dieu. Cet accord n'a été signé que parce que Brejnev a intimé l'ordre au gouvernement polonais de le signer. Il en avait assez des grèves à répétition. C'est peut-être une occasion inespérée de faire évoluer le communisme vers un socialisme à visage humain. Vous croyez vraiment que le Kremlin va se croiser les bras en attendant de voir ce qui se passe si sa puissance s'effondre? Il ne reculera devant rien pour s'assurer que cette peste polonaise ne contaminera pas le reste de son empire. Raison de plus pour soutenir Solidarnosc. Et sa lutte non-violente, surtout. Oui, mais nous devons être très prudents. Nous marchons sur un terrain dangereux. En Italie dans 3 jours, tu auras ton arme là-bas. Un 9 mm Browning. Mehmet! Eux, ce sont des familles de réfugiés. Nos enfants ne connaissent que la guerre et la faim. Un vieux proverbe africain dit que lorsque deux éléphants se battent, le vaincu est l'herbe de la prairie. En Afrique, la prairie, c'est les enfants. Rome est un miracle pour eux. Je vous demande de faire un miracle pour l'Afrique. Je m'appelle Thomas et je ne fais que les accompagner. Demain, je repars dans mon pays. Qu'est-ce que c'est ? L'Afrique est un merveilleux continent qui meurt à cause de l'exploitation et de la haine. J'aimerais qu'on soit toujours ensemble, tous les deux. Toujours! Un jour viendra où l'Afrique étonnera le monde entier. Venez en Ouganda. Venez, on en a besoin. D'accord, je viendrai. Très bien, on vous attendra. Merci Thomas pour ce que vous faites. Ciel, là, tu brises les rêves. Merci.
Aidez-moi à transmettre ma confiance en l'homme et à traverser l'espace mystérieux qui sépare la mort de l'espérance et qui existe en chacun de nous. L'amour ne s'arrête pas là où la mort commence. Il va bien au-delà. Bienvenue au Vatican à vous tous. Vous êtes au Vatican. Vous êtes au Vatican. Vous avez donc identifié l'anomalie qui est à l'origine du syndrome de Down. C'est cela même, Saint-Père. Félicitations, professeur. C'est l'heure, ça.
Kitty et une ambulance, vite! Dégagez la route, dégagez! L'hôpital des Bains, qu'est-ce que vous en dites? D'accord, allons-y! Dégagez! Dégagez! Vite à l'hôpital! Foutez le camp! Laissez-moi passer! Debout! Debout! Pas de mal, ma sœur! Non, non, ça va! Calme! Calme! Tu vas venir avec nous maintenant! Reste tranquille! Docteur, vous venez ici! Où est l'ambulance? Elle arrive! Attendez une minute, on va le mettre sur le brancard. Par ici, par ici! Attention! Doucement. Il perd beaucoup de sang. Doucement. Alors, docteur ? Excusez-moi. Essayez de bouger vos jambes. Et s'il ne meurt pas, on essaiera à nouveau. Le bloc opératoire est prêt, docteur. Pas besoin d'ascenseur, c'est à cet étage. C'est fermé, c'est fermé. Défonce-la. Prêt ? On le soulève. Doucement. Doucement. Le respirateur. C'est bon, posez-le. Préparez la transfusion immédiatement. Attendez ici. Dieu soit avec vous. Négatif et on n'a pas assez de A négatif. Il faut commencer d'urgence. C'est Crocetti, le chirurgien. Il n'est pas... Le voilà. Quels sont les organes atteints? Impossible à dire, mais l'hémorragie est très importante. Pression? Pression artérielle 70, en chute libre. Respiration? 20. Augmentez l'aspiration, allez-y. Vous avez du A négatif? Le centre de transfusion n'a plus de A négatif. La polyclinique de Rome va nous en envoyer. Vrai, docteur? Oui. Excusez-moi. Pince hémostatique et aspiration. Laissez-moi voir. Je vous parle depuis l'hôpital Gemelli, ici à Rome,
où le pape Jean-Paul II a été transporté d'urgence après avoir reçu plusieurs balles. Il est toujours sur la table d'opération et aucun bulletin de santé n'a encore été diffusé. Le pire est à redouter. Père Thomas, on a tiré sur le pape. Quoi? Tu es sûr? Mais il vit encore. Il est pas mort. Venez tous autour de moi. Rassemblez-vous plus vite. Quelqu'un a voulu tuer le Saint-Père. Il faut prier. Tout le monde doit prier pour le Saint-Père. Nous devons tous prier à haute voix. Tout le monde à genoux. À genoux. Au nom du Père. Saint-Père, nous prions pour que Dieu vous aide à vous rétablir et pour que vous retrouviez la force et la santé dès que possible. Laissez-moi tranquille. Je suis... Non, tu es une personne. Non, je suis une jolie fille. Laissez-moi aller vous-en. Laisse-nous nettoyer tes plaies. Ma mère, on a tiré sur le pape, ma mère. Non, il n'est pas mort. Oh non. Il ne mourra pas. Oh, Jésus, je vous ai trouvé dans la terrible grandeur de la souffrance. Laissez-moi tranquille. Je vous en prie, ne nous le prenez pas. Ne nous le prenez pas, Seigneur. Ne nous le prenez pas, Seigneur. On va terminer la résection par une anastomose des artères iliaques. Je ne trouve pas les vaisseaux touchés. Hémostase, vite. Enlevez vos mains, j'y vois rien. L'écarteur, plus large. Plus large. Non, non, ça ne marchera jamais. Docteur, plus vite à tout, je supplie. Le père, donnez-lui les derniers sacrements. À travers toute la Pologne, des foules se sont rassemblées pour prier. Ce moment est des plus dramatiques, non seulement parce que la vie du pape est en danger, parce que le primat de Pologne, le cardinal Wyszyński, très aimé des Polonais, est mourant. Comment va notre Saint-Père? Mal, très mal. Il est en ce moment sur la table d'opération. Sainte Marie, oh, ma vie, prenez-la, oui, prenez-la au lieu de la sienne. Savoir qui je suis, n'est-ce pas? Eh bien, je suis le simple instrument de créatures mystérieuses que j'ai rencontrées dans l'univers. Et j'ai accompli l'acte le plus exceptionnel qui arrivera jamais dans toute l'histoire du monde. C'est moi, le nouveau Messie! Mes tirs atteignent toujours la cible, en plein cœur. Le projectile a effleuré la horte thoracique, mais sans dommage sérieux. Il est passé ensuite à quelques millimètres de la colonne vertébrale, une trajectoire incroyable. Un tel parcours aurait été fatal à quelqu'un d'autre. Le destin l'a décidé autrement. Grâce à la science et à la providence, nous avons gagné une belle bataille ce soir. Merci, professeur. Camarade, ceci vient d'arriver de Rome. L'opération a été terminée à 23h35 exactement. Le bulletin de santé déclare que le patient a subi l'opération de façon satisfaisante et que son état s'est déjà amélioré. On a commis la pire des erreurs possibles. Transformer un ennemi en martyr de son vivant. Thank you.
vous êtes là depuis 24 heures, mon père. Comment va-t-il ? Le pape est sauvé, Carole Wojtyla, venez. Nous avons notre pape. Un appel du Saint-Père. Carole. Comment allez-vous, mon père ? La souffrance nous a rapprochés. Vous allez mieux ? Un peu. Oui. Priez pour nous, mon père. Je crois, je pense que mon heure est venue, enfin. Non. Non, mon père. Bénissez-moi, mon père. Oui. Je bénis votre bouche. Pour les paroles qu'elle a dites. Je bénis vos mains. Pour le bien qu'elles ont fait. Je vais mieux, comme vous le voyez. Je remercie infiniment tout le monde. Aussi bien ceux qui m'ont aidé ici que tous ceux qui ont prié pour moi. Le lendemain de mon élection, j'ai déclaré que je voulais dédier ma mission tout spécialement à ceux qui souffrent. Aujourd'hui, c'est à ceux qui sont malades que je pense et que je m'adresse. Je suis comme vous. Je suis comme vous, pétri de sentiments contradictoires. Mais plus que tout, d'espoir. Je peux vous aider ? Oh, non, non. Tout va bien. Merci. C'est le mien. Non, c'est pas vrai, il est à moi, on me l'a donné. Le pape ! Comment ça va aujourd'hui ? Bien, ça va bien. Pourquoi le pape a une canne ? Parce qu'il est vieux ? Non. C'est parce que c'est un berger. Oui. Tu as raison, un berger a une canne pour marcher. Et surtout pour rassembler son troupeau. Francesco, le pape est venu te voir. Francesco. Il va un peu mieux aujourd'hui. Francesco, tu aimes jouer au foot ? Oui, mais j'ai dû arrêter depuis que je suis malade. C'est difficile pour moi aussi de jouer. Mais nous allons faire un pacte. Quand tu seras guéri,
toi et moi, nous jouerons ensemble. C'est vrai? C'est promis. Le but du travail est de profiter au travailleur, et non de l'humilier. On ne peut pas considérer l'individu. On ne peut pas considérer l'individu comme un simple instrument de production. Le travailleur doit participer aux décisions qui sont prises. Et le travail doit passer avant le capital. Les travailleuses qui connaissent la maternité ne doivent être victimes d'aucune forme de discrimination, qu'elle soit psychologique ou bien matérielle. Les syndicats sont l'expression légitime de la lutte pour la justice sociale. Saint-Père. On dirait qu'il n'a pas couché ici. Vous étiez donc ici. Oui, Saint-Père. Vous n'avez pas dormi cette nuit? Vous êtes normalement en convalescence. Ça veut dire un repos total et absolu. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais nous nous inquiétons pour votre sainteté. Vous savez quoi? Je m'inquiète moi aussi pour ma sainteté. Excusez-moi, votre sainteté. Tout cela m'a l'air parfait. Tant mieux. Je prépare quelques petits voyages en Afrique, en Espagne et au Portugal. Non. Et aussi en Amérique du Sud. Saint-Père, c'est beaucoup trop tôt. Ce n'est pas pour tout de suite, bien sûr. Pour quand? Bientôt. Je suis désolé de devoir vous rappeler qu'on vous a enlevé 45 cm d'intestin et que vos reins ainsi que votre foie étaient très affectés. Docteur, je suis sûr que ma vieille carcasse va encore me servir un bon bout de temps. Alors, comme vous voudrez, Saint-Père. Merci. Si nous ne parvenons pas à détruire Solidarność, alors le secrétaire général devra se faire à l'idée qu'il ne peut y avoir d'autre solution qu'une intervention armée, que ce soit avec ou sans la bénédiction de leur pape polonais, parce que, ainsi que chacun le sait, il ne s'agit pas seulement de la Pologne. Vous êtes au courant? L'archevêque de Varsovie m'a appelé hier soir, mais nous avons été coupés. Les liaisons avec la Pologne sont coupées. Le général Jaruzelski a suspendu les droits civils et les libertés. Et il a proclamé l'état de siège. Au moins 6500 syndicalistes et intellectuels ont été récemment arrêtés. Lech Walesa est emprisonné dans un lieu tenu secret. Il y a eu des tués? 9 morts à ce qu'on dit. Et des douzaines de blessés en Silésie, dans les mines de Vujek. Tous les syndicats sont absolument interdits. Moscou ne supporte pas le succès de Solidarność. Moscou n'a même pas eu besoin d'envoyer ses tanks. Les soviétiques affirmeront qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça. Les Polonais s'en sont chargés eux-mêmes. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher toute effusion de sang. Et pour soutenir la Pologne qui lutte. J'ai prié pour la Pologne, très longuement. Merci, ma mère.
Nous avons besoin d'aide et de prières. Je suis très inquiet de ces événements qui touchent mon pays. Et de ces persécutions qui ont lieu un peu partout. Je pense malgré tout qu'il y aura un jour des changements profonds. Je sais que vous allez au Liban. Mes amis et mes collègues ne veulent pas que j'aille là-bas. Mais j'ai beaucoup de sœurs à Beyrouth, et il faut que je les rejoigne. Je voulais y aller aussi. Je l'ai même annoncé publiquement, mais la situation là-bas est si explosive que ma présence risquerait de créer des problèmes dans certains milieux musulmans. Puis-je avoir votre bénédiction? Vous vous rappelez quand je vous ai demandé de me représenter partout où je ne pouvais aller? Eh bien, représentez-moi à Beyrouth. Allez, avec ma bénédiction, mon cœur et tous mes vœux. Allez, avancez. Plus vite. Avancez. Il y a 70 enfants handicapés dans l'orphelinat de El Arret. Ils sont pris entre deux feux, sans eau et sans nourriture. Ce sont des enfants innocents! Qu'est-ce que ça peut vous faire? La plupart sont des musulmans. Je ne demande jamais qui est musulman, juif, chrétien, qui a quelle religion ou quelle nationalité. Nous sommes tous ensemble, sur cette terre. Nous tous, nous avons le même cœur. Pour moi, vous êtes simplement des enfants de Dieu, mes chers frères et mes chères sœurs. Est-ce que quelqu'un aurait une allumette? Merci à vous. Maintenant, posez vos fusils, aussi longtemps que durera cette chandelle. Si les sandinistes parviennent à le discréditer, nous pourrons nous aussi le faire passer pour un ami des États-Unis et un ennemi du peuple. La primera que quiere la paz es la iglesia. Es la iglesia. Je vous aide la parole. La parole de tous ceux qui n'ont pas la parole. Je peux aller le voir? Oui, bien sûr. Saint-Père, nous arrivons à San Salvador. Ils ont confirmé la trêve. Le mouvement de libération et l'armée ont suspendu les hostilités pour la durée de votre visite. Un jour de paix, c'est déjà ça. Une bonne nouvelle, enfin. Oui, mais il y a des groupes d'extrême droite qui vous refusent l'accès à la tombe de Romero. Ils ont même menacé d'occuper la cathédrale. Au Nicaragua, ce sont les sandinistes qui vous ont chahuté. Et ici, ce seront des milices de droite. Je ne suis pas sûr qu'on doive s'exposer de cette façon. Je dois m'agenouiller sur sa tombe.
C'est devant cet hôtel que Monseigneur Romero dénonçait la violence durant ses sermons. Il citait les noms de tous ceux qui avaient été tués ou avaient disparu au cours de la semaine précédente. En souvenir de ce martyr, je demande que la mémoire de Monseigneur Romero soit respectée à jamais. Qu'aucun courant idéologique ne récupère ou n'exploite le sacrifice de ce pasteur qui a donné sa vie pour ses fidèles. J'ai voulu vous rencontrer pour vous faire part personnellement de mon pardon. Je vous ai pardonné, sincèrement. S'il vous plaît, Saint-Père, par ici, oui. Merci. Je vous en prie, ça suffit maintenant. Laissez-nous. Pourquoi vous n'êtes pas mort? Je sais que mon tir est parfait. Je savais que cette balle devait vous être fatale. Pourquoi vous n'êtes pas mort? Peut-être parce que je suis protégé par quelqu'un. Vous voulez dire? Par Fatima? Exactement. Mais Fatima était la fille de Mahomet, non? Il s'agit d'une autre Fatima. Là où la mère du Christ est apparue. Et le jour où j'ai tiré sur vous était celui de sa fête, c'est ça? Oui, en effet. C'est pourquoi je crois que la Madone de Fatima m'a sauvé la vie. Si la Madone de Fatima a tellement de pouvoir, elle va me le faire payer. Non. Elle va me tuer. Non. Marie est la mère de Dieu. Elle aime tous les hommes. Et beaucoup de musulmans l'honorent. Alors elle ne me punira pas? Non, au contraire, c'est elle qui vous aidera à changer votre vie. Le pape vient d'arriver! Vite! Vite! Dépêchez-vous, mes sœurs! Merci. Merci à vous, mes sœurs. Merci pour tout ce que vous faites. Bénissez-nous, Saint-Père. Il est en train de mourir, votre sainteté. S'ils sont capables de parler, nous leur demandons leur nom et leur religion. Comme ça, nous pouvons les enterrer en accord avec leur foi. Comment s'appelle-t-il? Jairaj. Il est hindou. Jairaj. Puisse le Dieu qui vit dans ton cœur t'accueillir dans ses bras et dans sa paix. Il ne faut pas trop fatiguer le pape. Je suis toute seule. Non, vous n'êtes pas toute seule. Je suis toute seule. Ne leur demandons pas d'où ils viennent. Tout simplement, nous essayons de les aider, de les réconforter, de leur montrer un peu d'humanité. Vous voulez que je vous dise? Si je pouvais, je resterais ici en tant que pape. Merci.
Dément retour, nous ouvrirons un hospice au Vatican, nous aussi, c'est promis. Pour les sans-abri? Oui, pour les sans-abri. Ils seront abrités par le pape. Saint-Père? Ils ont tué le père Popieluszko. Ils l'ont menacé, ils l'ont même battu. Ils lui ont fait du chantage, mais il n'a jamais cédé. Je connais une prière qu'il a écrite. Mère de tous ceux qui sont abandonnés, priez pour nous. Mère de tous ceux qui refusent la corruption, priez pour nous. Mère de tous ceux qui sont arrêtés en pleine nuit, priez pour nous. Mère de tous ceux qui vivent dans la terreur, priez pour nous. Mère de tous ceux qui résistent jusqu'au bout de leurs forces, priez pour nous. Mère, sainte mère, priez pour toutes les pauvres mères en larmes. Priez pour nous. Mère de la malheureuse Pologne, priez pour nous. Priez pour nous. La violence doit s'arrêter. Une fois pour toutes. Plus d'arrestations. Le dialogue. Je ne vois aucune possibilité de dialoguer avec un syndicat dont l'objectif est d'ébranler les bases de notre État socialiste à une époque de grave crise économique. Mais vous devez me croire sur parole quand je dis que mon souhait le plus cher est la pacification. La paix ne peut exister que là où les citoyens participent aux affaires publiques dans un climat de vraie liberté, où tous les droits sont protégés. Vous savez bien que même Gorbatchev parle de sa foi en la raison, la liberté et les valeurs morales de base. Vous et moi sommes dans deux camps opposés, mais nous sommes patriotes. Et nous devons réunir nos forces pour la reconstruction de notre nation. Je vous en prie, venez en Pologne. Aurais-je le droit de me rendre à Gdansk? Gdansk est une poudrière. C'est le QG, le berceau de Solidarnosc. La source des conflits et de la haine. À Gdansk, je dirai au peuple polonais qu'il ne peut rebâtir la société de ce pays qu'en se libérant de la haine, de la violence et de l'égoïsme. Et seulement en rejetant la vision d'un seulement monde sans pitié. Seulement en rejetant la vision d'un monde sans pitié où Dieu est une invention et où l'amour est une faiblesse. Ici, sur les rivages de la mer Baltique, je répète encore une fois ce mot, solidarité. Aujourd'hui, je me suis demandé, est-ce que la fin du communisme signifie la fin de la pauvreté et de l'injustice? Et la fin de la violence? Quels ont été les effets du capitalisme sur le tiers-monde? La guerre a-t-elle disparu? Avant qu'une vraie révolution bouleverse la société, il doit y avoir une révolution dans le cœur de l'homme. Personne ne peut trouver le bonheur tout seul. Personne ne peut être une île solitaire à l'abri des tempêtes.
C'est le cœur de l'homme qui doit changer. Allô ? Oui, c'est Thoran qui est à l'appareil. Bonsoir, Monsieur Bolton. Quoi ? Il bombarde Bagdad ? Ce n'est pas croyable. Une terrible guerre éclate et le Saint-Siège en est averti par un journaliste. Je vous attends, Éminence. C'est effrayant. Vraiment effrayant. L'ambassadeur américain est injoignable. J'ai appelé partout, mais en vain. Il s'est volatilisé. Il ne pourra pas toujours nous éviter. J'ai laissé un message disant que le Saint-Père en personne voulait lui parler de toute urgence et qu'il attendait son appel. Que puis-je faire de plus ? Nous ne pouvons pas attendre qu'ils aient la politesse de nous informer. Nous devons convoquer tous les évêques de tous les pays impliqués dans cette guerre, immédiatement. Saint-Père, il nous faut du temps. Immédiatement. Merci. Éminence. Je souhaite simplement rappeler à votre Excellence que c'est Urbain VI qui a organisé la première croisade. Et pour une bonne raison, l'islam avait envahi l'Europe et étendait son influence jusqu'à Vienne. Oui, naturellement. Cependant, imaginez un peu un pape déclarant « Ceci est la volonté de Dieu ». C'est comme s'il déclarait la guerre au nom de Dieu. C'était il y a des siècles. Aujourd'hui, en ce moment même, il y a des soldats qui se battent face à face, musulmans et chrétiens, et qui tuent leurs ennemis au nom même de leur Dieu. C'est honteux. Oui, et à la fin du XXe siècle, il est inimaginable de répondre à la guerre par plus de guerre. Mais Saint-Père, est-ce que l'Église n'a pas toujours défendu la doctrine de la guerre juste ? Et n'est-ce pas le cas, justement ? Le Koweït, nation souveraine, a été envahi. Vous ne voulez pas comprendre que Saddam Hussein est un dictateur et que les Irakiens sont ses principales victimes ? Pourquoi est-ce que ce serait le peuple qui devrait payer pour cette guerre ? Je vous en prie, Excellence, je vous en prie. Est-ce qu'il peut y avoir une guerre juste aujourd'hui ? Même si elle peut résoudre temporairement une situation inacceptable et injuste, la guerre est source de destruction et de souffrance. Et elle engendre de pires injustices que celles qui l'ont déclenchée. Cela crée un sentiment de haine terrible au fond des cœurs. Personne ne semble avoir conscience que cette guerre qui commence pourrait bien marquer le début de conflits beaucoup plus dramatiques que ceux qu'on a connus. Le Nord contre le Sud, les pauvres contre les riches, l'Occident contre l'Islam. Nous devons faire tout ce qui est possible pour éviter un conflit de civilisation. Mais pour cela, il est indispensable d'intensifier le dialogue avec les autres religions, en particulier avec l'islam. L'idéal de la paix doit transcender les différences religieuses. Nous devons retrouver l'esprit d'Assise. Oui, c'est à Assise que pour la première fois dans l'histoire, des représentants de toutes les religions se sont rassemblés afin de prier pour la paix. Et ce jour-là, ce jour unique, il y eut une trêve dans le monde entier. Sur tous les champs de bataille, il n'y a pas eu une seule victime. Je sais, cela semble un rêve impossible. Que les religions, toutes les religions, conduisent le cœur des hommes vers la paix sur la terre. Mais cela reste notre rêve. Les églises allemandes ont souhaité que vous ayez ce morceau du mur de Berlin. Cela parle de larmes et d'espoir, et de désespoir. Le salut qui devait nous venir de l'Est n'est jamais venu.
nous sentons toujours le poids de l'héritage du communisme. Tandis que la démocratie qui est venue de l'Ouest a apporté le pire de la culture occidentale, un capitalisme sans scrupules. Mais nous devons continuer à espérer. Saint-Père, votre confiance ne cesse de m'étonner. Peut-être parce que moi-même, je suis devenu, disons... Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Si ça ne vous fait rien, nous parlerons de cela une autre fois. Entendu. Saint-Père, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Votre médecin vient d'arriver. Et Saint-Père? Que se passe-t-il? Oh, on n'aurait pas dû vous déranger, docteur. Tout semble revenu à la normale. En êtes-vous sûr? Depuis votre opération, vous avez été sujet à des crises de colite. Oui. Ce n'est rien d'autre qu'une petite crise. Elle semble se produire de plus en plus fréquemment. J'aimerais vous examiner. Je suis navré, docteur, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Ça ne peut pas attendre. J'ai peur de devoir insister. Ça ne prendra que quelques minutes. C'est entendu. Très bien, je rends les armes. Inspirez. Expirez. Il faudra que vous passiez d'autres examens. Quel genre d'examen? Appelons ça des analyses. Je suis navré, mais une série d'examens radiologiques sont nécessaires si nous voulons en avoir le cœur net. Vous en êtes certain? Oui, certain. Nous ferons ça aussitôt que possible. Très bien. Qu'est-ce que vous tentiez de me dire tout à l'heure? Ah, je crois que ce n'est pas le moment, Saint-Père. Nous aurons tout le temps de parler de ça. Quand retrouverons-nous un moment aussi paisible que celui-ci, sans être interrompus? Saint-Père, je voulais vous demander de me libérer de ma charge. Je n'ai plus assez de force pour ça. Je me sens vieux et fatigué. Pardonnez-moi, mais... ce n'est pas facile pour moi de vous dire tout ça. Je sais. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait. Et pour toutes les fois où vous avez eu le courage de me dire que je faisais fausse route. Qu'allez-vous faire? Me remettre à lire Goethe. Et je consacrerai une grande part de mon temps libre à aller voir les jeunes enfermés en prison. J'ai toujours fait ça quand j'avais un peu de temps. Dorénavant, ce sera un peu différent. Je ne les blâme pas. Et je ne les critique pas. J'essaie simplement d'être le père qu'ils n'ont jamais eu. Leur chaleur humaine suffit à remplir ma vie. Il y a une protubérance suspecte dans votre intestin, Saint-Père. De la taille de cette pomme. Et que peut-on y faire? Opérer immédiatement. Pourquoi est-ce si urgent? Saint-Père, cette protubérance suspecte est une tumeur. Et je répète qu'elle nécessite une opération. Très urgente.
L'égoïsme, la haine, la violence réapparaissent de plus belle sous nos yeux et infligent de nouvelles souffrances aux populations innocentes de Bosnie. Ouvrez les yeux sur la souffrance des innocents. J'aimerais vous confier un secret. Ce soir, je vais entrer à l'hôpital Gemelli pour y subir une opération. Je compte sur vos prières afin que notre Seigneur m'apporte force d'âme et réconfort. Vous avez entendu ? Il a le droit de tomber malade autant que n'importe qui. Mais pas de l'annoncer publiquement. Alors vous préférez les papes qui cultivent le secret sur tout, même sur leur mort. Pourtant, ce pape a dit maintes fois que l'Église ne devait avoir aucun secret. Dans 10 minutes, on vous fera une première anesthésie. Je reviens dans un moment. Saint-Père, que faites-vous ici tout seul ? Comment va son petit garçon ? Je lui ai demandé si elle voulait que j'appelle un prêtre. Et elle a dit qu'elle n'en voulait pas. Je suis un ami. Vous ne pouvez plus rien faire. Personne ne peut plus rien faire. Juste pour une minute. Ne me dites pas que Dieu est tout-puissant et qu'il est bon. Dieu est avec vous à cet instant. Alors qu'il me laisse, qu'il parle. Je veux mon fils, c'est tout. Si je lui dis de partir, il ne m'écoutera pas, je le sais. Car lui sait que sa place est ici, avec vous. Saint-Père, que faites-vous ici ? Venez, venez, Saint-Père, venez.
Saint-Père, comment vous sentez-vous? Peut-être vous avez mal, mais l'opération s'est bien passée. Ils vous ont enlevé la tumeur à temps. Il vous reste à attendre avec patience le moment de sortir d'ici. Vous vous rappelez ce que dit le psaume 41? Béni soit celui qui se soucie du faible, s'il est dans le malheur. Ces mots s'appliquent à vous et à moi. À vous deux, merci. Vous remercierez tout le monde pour moi. En particulier les médecins. Et maintenant, reposez-vous. Vos plaisanteries vont finir par vous envoyer au purgatoire, André. Et vous savez quel sera votre jugement. De lire les œuvres philosophiques complètes de Carole Wojtyla. Voyez-vous, j'étais à Castel Gandolfo juste après mon opération, et un jour, un nonce est venu me voir. Nous avons discuté d'un problème qui avait surgi là où il exerçait sa fonction. Et puis, juste au moment de me quitter, il me dit « Vous savez quoi, Saint-Père? Vous semblez très en forme. » Je lui ai répondu « Oui, c'est vrai, l'opération s'est bien passée, je me suis vite rétabli. » Mais il a insisté « Saint-Père, vous savez, vous avez l'air vraiment bien. Vous êtes dans une forme éblouissante. » Et il continuait, il en remettait « Croyez-moi, Saint-Père, je ne dis pas ça pour vous flatter. » Alors j'ai commencé à me demander, mais où veut-il donc en venir? Et finalement, il a laissé échapper. Ce que je veux dire, Saint-Père, c'est que vous semblez en bien meilleure forme qu'avant l'opération. Je l'ai regardé, et j'ai dit, votre Excellence devrait peut-être se faire opérer elle aussi. C'est excellent. Saint-Père, le cardinal Sodano souhaite vous voir. Oh. Éminence, voici mes camarades de séminaire. Tous ne sont pas célèbres pour leur sainteté. Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau secrétaire d'État, le cardinal Sodano. Que se passe-t-il, Éminence? Saint-Père, vous devriez allumer tout de suite la télévision. Stachou. Un attentat terrible attribué à la mafia s'est produit ce matin à Palerme à 4h55. Une voiture piégée contrôlée à distance a explosé au moment même où le juge antimafia Paolo Borsellino, accompagné de son garde du corps, sortait de sa voiture blindée afin de rendre visite à sa mère comme il le fait chaque dimanche. Le souffle de l'explosion, entendu jusqu'à près de 2 km, a fait voler en éclats toutes les vitres alentour et envoyé des débris jusqu'au 11e étage des immeubles voisins. De nombreuses victimes gisent sur l'asphalte. Une première estimation fait état de 6 morts et 18 blessés dans un état grave. Plus 96 appartements endommagés et 51 voitures détruites. Dieu a dit, tu ne tueras point. Aucun homme, aucune mafia n'a le droit d'ignorer ou de piétiner le plus sacré de tous les commandements de Dieu. Au nom du Christ, crucifié et ressuscité, du Christ qui est la voie, la vérité et la vie, aujourd'hui je parle à ceux qui sont responsables. Repentez-vous. Changez, parce qu'un jour, la justice de Dieu viendra. Saint-Père. Alors, Éminence, quoi de neuf pour le voyage à Sarajevo? Il est trop dangereux d'aller en Bosnie en ce moment, Saint-Père. Personne ne semble disposé à garantir votre sécurité. Et qui garantit la sécurité des femmes et des enfants et des malades qui vivent là? Pardonnez ma franchise, Saint-Père, mais je doute fort que votre sacrifice suffise à rétablir la paix. Par ailleurs, songez que votre vie ne serait pas la seule à être mise en danger. Pensez à ces nombreuses foules qui se rassembleraient autour de vous. Entendez. Alors j'attendrai encore quelque temps. Eh bien, dans ce cas, parlons de mon voyage en Afrique. C'est ici que les esclaves étaient triés, sélectionnés, puis enchaînés avant d'être embarqués sur des navires.
Les familles étaient séparées pour toujours. Des milliers d'Africains ont ainsi perdu leurs conditions d'être humains pour être changés en marchandises ainsi que des animaux. On appelait ça la porte du voyage sans retour. Ces femmes, tous ces hommes, ont été les victimes d'un horrible commerce organisé par des hommes qui avaient été baptisés. Pour tous les chrétiens qui ont pris part à ce scandale, pour tous les chrétiens qui ne se sont pas révoltés contre cette horreur, nous demandons aujourd'hui le pardon. Je demande aujourd'hui le pardon. Pratiquement toute la population du nord de l'Ouganda vit dans des camps comme celui-ci, sans aucun espoir, sans aucun avenir. Et voici des réfugiés qui ont survécu au massacre. Oh, merci. Dieu te bénisse. Soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse tous. Ces enfants ont échappé à la guerre de justice. Ils ont fui leur village natal pour éviter d'être enlevés et enrôlés de force comme soldats et assassins. Ce garçon s'appelle Justin Okello et c'est grâce à lui que j'ai pu trouver ses enfants.
Il a couru pendant 30 kilomètres pour venir me trouver et m'avertir que les enfants de son village se cachaient dans la forêt sans eau et sans nourriture. De se reposer. Il a voulu m'emmener immédiatement à la cachette des enfants. Notre Sands. Doucement, les enfants, doucement. Il y en aura assez pour tout le monde. Sur le chemin du retour pendant la nuit, nous avons été ralentis par un orage. Et le lendemain, avant qu'on ait pu atteindre le camp, ils nous ont capturés. Et en échange, libérer ses enfants. Je pourrais te tuer et ensuite tout emporter. Exact. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand vous serez devant Dieu, vous ne verrez pas seulement ses yeux, mais aussi leurs yeux. Et ça, je crois que ça ne vous fera pas du bien. Moi, je m'en vais. C'est toi le pêcheur. Allez, c'est toi. Laissez-les partir. Foutez le camp. Foutez le camp. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous allons rentrer chez nous. N'ayez pas peur. Restez bien tous ensemble, d'accord? Ne vous séparez pas. Merci. Merci. Vous savez, ce n'est pas facile de faire marcher un hôpital quand on n'a pas de matériel et pas de médicaments. Ah ben, voici notre staff. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Tungara. Je ne veux pas mourir. J'ai trop mal.
Ne renonce pas à l'espoir, Tongara. Le Christ est avec toi. Le Christ est avec chacun de vous. Merci. Docteur, combien de patients avez-vous ici? Beaucoup plus qu'on ne peut en soigner. Combien croyez-vous que coûte par an un traitement contre le sida? Et à combien croyez-vous que s'élève en Afrique le revenu moyen par habitant? À 9,57 $. Les laboratoires pharmaceutiques fixent leur prix pour le marché occidental. Et ça équivaut à une sentence de mort pour les Africains. Vous avez raison. Les pays riches sont des pirates qui pillent l'Afrique. Autrefois, ils vendaient des esclaves et aujourd'hui, ils exploitent les richesses naturelles. Ils vendent des armes et provoquent des guerres. Mais un jour viendra où les pauvres du monde entier demanderont aux riches de rendre des comptes pour toute cette souffrance. Comment vous appelez-vous, docteur ? Julia Ritter, Saint-Père. Je fais de la recherche à l'université McGill de Montréal. Merci. Merci, Julia. Vos travaux sont plus utiles que mes paroles. Ah, Angelo, c'est bien ça? Oui, c'est bon. Merci. À vos yeux. Fujita. Nous sommes mariés depuis 60 ans et aujourd'hui c'est notre anniversaire. Oui. Saint-Père, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas vous dire. Vous devriez peut-être interrompre cette audience. À terre, mais... par chaos. Merci d'être venu, Monseigneur. Je ne veux pas vous inquiéter, mais c'est important. On n'a pas pu le convaincre de rester à l'hôpital plus d'une demi-journée. Est-ce que vous pensez que là-bas, on l'a bien soigné? Ils ont détecté une luxation traumatique antérieure. Et une légère fracture, ici. C'est très grave. À vrai dire, ce qui m'inquiète, c'est ce que ces radios ne révèlent pas. Comment ça? Je ne peux risquer aucun diagnostic sans faire d'autres examens. Quels examens? Neurologiques. Je connais la réticence du Saint-Père à ce genre d'examen, mais tôt ou tard, il faudra le convaincre. Et si possible, plus tôt que tard. De quoi avez-vous peur? Le Saint-Père est tombé. Il n'y a aucun doute là-dessus, nous l'avons tous vu. Pourtant, il n'a trébuché sur rien. Il faut donc savoir pourquoi il est tombé. Je compte sur vous pour m'aider. Naturellement, docteur. Je vous ai apporté un peu de thé, Saint-Père. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux vous parler? Bien sûr. J'ai étudié la médecine, c'est pour ça que je suis près de vous. Je sais. Et je vous sais gré de m'obliger à avaler mes médicaments avec tant de gentillesse. Êtes-vous en train de me taquiner, Saint-Père? Non.
Non, ma sœur, je n'ai jamais été aussi sérieux. J'aimerais que vous vous soumettiez à tous les examens. Quelqu'un qui a autant de responsabilités et qui, à votre âge, devrait surveiller sa santé. Votre gentillesse va donc jusqu'à me traiter de vieillard. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Saint-Père. Stacho, c'est vous qui l'avez chargé de cette mission? Non, absolument pas. Elle m'en a parlé et j'ai dit que j'étais d'accord. Le docteur Buzzonetti a beaucoup insisté et je pense qu'on devrait l'écouter. Si je veux avoir des nouvelles de ma santé, je n'ai qu'à lire les journaux, c'est bien simple. Le plus dur, c'est d'être forcé d'écrire de la main gauche. Vous n'êtes pas forcé. Je vous en prie, entrez. Ah. Stanislas Ryoukov. C'est donc vous qui serez ma main droite dorénavant. Il était grand temps que le bureau du pape soit informatisé. Pourquoi sommes-nous toujours à la traîne? Non, non, non. On va changer ce passage. Mettez. Nous ne devons pas avoir peur de l'avenir. Vous qui êtes, ou qui allez être, des scientifiques, vous devez vous poser la question suivante. Est-ce que mon travail, mes recherches, vont rendre la vie sur Terre plus humaine? Est-ce que cela va rendre la vie de l'humanité plus digne? Voilà la question que vous devez vous poser. Je t'avais dit que c'était un bon rapport. Je voudrais vous dire, Saint-Père, j'ai lu votre lettre aux femmes et elle m'a infiniment émue. Voilà, je voulais que vous le sachiez. C'est tout. Merci. Vous me donnez l'occasion de remercier à nouveau les femmes, envers qui l'humanité a contracté une dette incalculable. Mais les remercier ne suffit pas. La libération des femmes de toute forme de discrimination et d'exploitation est bien loin d'être achevée. Dans bien des parties de notre monde, de nombreux obstacles empêchent encore les femmes d'être appréciées et respectées. Et je n'ai pas peur de dire qu'au sein de l'Église elle-même, certaines formes de discrimination à l'égard des femmes persistent. Vous vous adressez très souvent à des jeunes, pourquoi? Il y a en Pologne un proverbe qui dit « Ziakim siestajesz, takim siestajesz ». Vous voulez savoir ce que cela veut dire? Oui, 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 oui. Cela veut dire que qui se ressemble s'assemble et réciproquement. J'ai besoin de vous, de votre énergie, de votre volonté de vivre. Tous, vous cherchez des réponses irréfutables et sûres à des questions éternelles. Et quand vous faites ça, même sans le vouloir ou à votre insu, vous recherchez Dieu. S'il vous plaît, Saint-Père. Je m'appelle Julia Ritter et je vous ai rencontrée à l'hôpital en Ouganda. J'ai apprécié tout ce que vous avez dit, mais j'aimerais vous poser une question. Comment l'Église, qui prétend prendre la défense de l'humanité, peut-elle se montrer aussi sévère, intransigeante et aussi éloignée du peuple quand elle parle de la sexualité? La question n'est pas d'être intransigeant ou bien sévère. Si nous considérons la dignité de l'être humain en tant que personne, il est clair que la sexualité ne doit et ne peut pas être séparée de l'amour. L'union de deux âmes et de deux corps ne tient que par le dévouement réciproque et le respect. Voilà ce que nous dit la loi morale, cette loi qui repose dans le cœur de chacun de nous. Pas maintenant, excusez-moi. Le Saint-Père n'a aucune lésion neurologique centrale. Tout va bien, alors? Pas tout à fait. Mes craintes sont malheureusement confirmées et elles doivent être prises au sérieux une fois pour toutes. Le Saint-Père a la maladie de Parkinson. Et prétendre qu'il va bien est aussi inutile qu'absurde. Vous
suis très heureux de vous revoir. J'ai été ravi de votre invitation. Je vous dois une réponse un peu plus circonstanciée. Quand j'ai parlé, je ne voulais pas être agressive. Je voulais poser une question que de très nombreux catholiques se posent tous les jours. J'affronte quotidiennement les ravages du sida en Afrique. Oui, je sais. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. La tragédie des hommes qui meurent en Afrique est une tragédie pour l'espèce humaine tout entière. Malheureusement, personne n'a encore trouvé une solution vraiment efficace. En attendant, essayons de bâtir un monde qui soit plus humain, dans lequel la dignité de l'individu soit respectée. Mais je vous en prie, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Combien de temps encore l'Église continuera-t-elle à être hostile à la contraception et l'avortement ? Julia, l'Église proclame la valeur unique de la vie humaine. De là découle sa nature inviolable et sacrée. Chaque année, 200 000 femmes meurent à cause des avortements clandestins. Si elles avaient droit à la contraception, elles survivraient. Il est de notre devoir de protéger leur vie. Mais il n'est pas de notre devoir de leur dire qu'elles n'ont d'autre choix que la contraception ou l'avortement. L'Église veut que les hommes et les femmes prennent leurs responsabilités quand ils ont des relations. Et qu'ils protègent la pureté de l'amour et de la sexualité. Navré, mais c'est un argument spirituel qui est extrêmement éloigné de la réalité. Cette réalité ne changera jamais sans une conception spirituelle de l'individu. Cela nécessite que chaque individu prenne enfin conscience de sa propre dignité. De nombreuses femmes seraient encore en vie si leur dignité avait été respectée. Alors, qu'est-ce que je dois dire aux malades du sida qui refusent l'abstinence, ou à la mère qui lutte pour nourrir les enfants qu'elle a déjà, mais qui n'en veut surtout pas d'autres ? Vous êtes médecin. Je suis un guide spirituel. Vous n'avez pas le droit de vous tromper dans votre diagnostic, et je n'ai pas le droit de cacher la vérité sur l'homme telle que l'a dit l'Évangile. Si votre patient ou qui que ce soit d'autre est vraiment amoureux, il ou elle ne devrait pas accepter que l'amour engendre la mort. Les solutions de facilité n'aident pas l'homme à s'aimer et à se respecter lui-même. Et s'il n'en est pas capable, alors il ne sera pas capable d'aimer et de respecter les autres. Pourquoi l'Église s'accroche-t-elle à ces idées abstraites, ces concepts, au lieu d'embrasser le malheur et la souffrance et les imperfections des gens, la vie telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être ? Ce n'est pas exact, Julia. En réalité, l'Église est profondément touchée par le malheur et la souffrance. Peu importe les idées abstraites et les concepts, ce qui importe, c'est le sens profond de la vie et de l'homme. Vous ne voyez pas que le monde entier se détourne de vous ? Le monde riche et matérialiste n'est pas le monde entier. Mais c'est ce monde qui peut faire des choix. Le choix, quel qu'il soit, ne suffit pas. Le respect de l'homme et de la vie ne dépend pas du choix de quiconque, mais de la dignité humaine, c'est tout. Personne ne peut choisir d'imposer les règles des riches à ceux qui sont pauvres et opprimés. Le président Clinton sera ici la semaine prochaine. Vous devez discuter des façons de réduire la pauvreté dans le tiers-monde. Sa façon, c'est de faire des campagnes de stérilisation imposées aux pays pauvres comme condition préalable à une aide internationale. Nous ne le ferons pas changer d'opinion. Ce sera, pour ainsi dire, une simple visite de courtoisie sans conséquence. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen d'intervenir de façon plus décisive aux Nations Unies ? Notre délégation a exprimé le point de vue du Saint-Siège, mais il a été très vigoureusement contesté. Pourquoi ? Pourquoi refuse-t-il de considérer nos propositions ? Parce qu'il les trouve totalement irréalistes, trop liés à nos convictions religieuses. Et surtout parce qu'il trouve ces propositions contraires au mouvement de libération des femmes. Éminence, qui nous représente au cours de ces discussions ? Nos meilleurs diplomates, nos plus grands esprits. Uniquement des hommes, bien sûr. Que voulez-vous dire exactement, Saint-Père ? On va mettre sur pied une équipe constituée uniquement de femmes et l'envoyer à la prochaine conférence des Nations Unies à Pékin. Des femmes ? Pour représenter votre sainteté dans une conférence internationale où l'on débattra de l'avenir du monde ?
Exactement. Intelligentes, compétentes dans leur domaine, et possédant les qualités requises pour que leur voix soit entendue. Voici une liste de candidates éventuelles. Est-ce que ça vous fait mal, Saint-Père? Oh, là, ça me fait mal. C'est votre hanche, j'en ai bien peur. La fracture typique des vieux. Appelez une ambulance. C'est juste un accident, idiot. Votre pied a-t-il buté? Non, je ne crois pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être glissé. Tout à coup, je me suis retrouvé par terre. Je sais, ce genre de fracture, bien souvent, nécessite une opération. Alors s'il le faut, mes docteurs, je vous en prie, remettez-moi sur pied, d'accord? Vous souffrez beaucoup? Pas plus que je ne le mérite. On a dû vous mettre une prothèse. Ce qui signifie que votre convalescence ne sera pas rapide. Quand vous serez capable de vous lever, Saint-Père, vous aurez besoin de ça. De façon provisoire. Maintenant, je vous laisse vous reposer. Merci. Bon, je me suis cassé la jambe. On ne dirige pas l'église avec ses jambes. Buvez. Je dois vraiment boire tout ça. Oui. Merci. Lève-toi et marche. Saint-Père. Mon cher et patient docteur. Accompagnez-moi. Alors, quelle est cette nouvelle si importante? Vos chutes ont forcément une explication. Oui, j'ai glissé. Asseyez-vous. Alors, dites-moi. Vous avez une maladie dégénérative. Un syndrome extrapyramidal. Vous parlez du tremblement de ma main gauche? C'est un symptôme de ce qu'on appelle communément la maladie de Parkinson. Maladie assez répandue chez les personnes âgées, non? Mais ce n'est pas aussi invalidant qu'on le dit, n'est-ce pas? Il faudra prendre soin de votre santé, Saint-Père. Je veux être capable de travailler, c'est tout. Excusez-moi d'insister, mais il est indispensable que vous preniez vos médicaments régulièrement, exactement à l'heure prescrite. C'est clair? Vous voulez dire que je n'ai pas été un patient docile et que j'ai jeté quelques petits cachets? Mais il ne s'agit pas de quelques petits cachets.
Pardonnez-moi, Saint-Père. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui glisse. Bien sûr que je vous pardonne, parce que j'apprécie votre savoir et votre passion aussi. Si je coopère davantage avec Sir Tobiana et ses médicaments, peut-on s'attendre à une amélioration? La maladie de Parkinson évolue avec le temps. Tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est ralentir cette évolution. Ça veut dire que la science a ses limites. C'est bien ce que je craignais. Bon, je crois que je vais avoir quelques problèmes pour boutonner ma soutane. Saint-Père, le tremblement va s'accroître. Je serai plus prudent. Vous allez perdre votre tonus musculaire. Il vous sera de plus en plus difficile de parler et d'avaler. Vous devrez réfléchir avant de faire le moindre mouvement, le moindre geste. Vous allez perdre l'automatisme de vos réflexes. Vous devrez faire des exercices tous les jours pour vous préparer à relever le défi de la maladie. Je sais que vous êtes inquiet à mon sujet. Mais ma vie et mon futur sont entre les mains de Dieu, plus qu'entre les vôtres. Alors ne vous inquiétez pas. Pendant mon temps libre, je suivrai vos instructions. Merci, docteur. C'est une sensation inédite. Mon esprit marche plus vite que mon corps. C'est un peu comme après un naufrage, vous savez. On aperçoit la terre, mais les vagues vous repoussent toujours plus loin. Elles sont plus fortes que vos bras. J'en connais un bout sur les naufrages, Saint-Père. Ça s'appelle aussi le grand âge. Oui, le grand âge. C'est la partie la plus difficile de notre vie. Et la plus importante. C'est une croix très lourde à porter. Est-ce qu'il n'est pas écrit que chacun doit porter sa croix? Si. Saint-Père. Oh. Est-ce que ce médicament doit m'aider à bouger ou à ne pas bouger? Il prévient les infections. J'ai réfléchi sur la façon dont une certaine culture essaie de bannir la maladie et la souffrance de notre monde. Les malades sont traités comme des êtres inférieurs, un poids pour la société, et la maladie comme une douleur inutile. Ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas comprendre pourquoi la souffrance peut exprimer notre nature et notre rédemption. Bien parlé, Sœur Tobiana. Vous êtes plus concise que moi. Les derniers rapports de Bosnie. Ah, merci. S'il vous plaît, faites dire au cardinal Sodano que je veux lui parler dès que possible. Tout de suite, mon père. Les conditions pour aller en Bosnie ne sont guère encourageantes pour l'instant, Saint-Père. Je ne peux pas rester ici et me résigner à la souffrance de ces pauvres gens. C'est trop dangereux, Saint-Père. Peut-être le pape ne peut-il pas changer le monde, mais il peut porter des paroles d'espoir et d'amour. Je sais encore le faire. Vous savez que j'attends ça depuis tellement longtemps. Il part en Bosnie. Quand? Le 12. Tâchez de le convaincre de reporter son voyage. Il a encore beaucoup de fièvre. Depuis combien de temps prend-il ses antibiotiques? 5 jours. Oh. Bonsoir, docteur. Je sais, je sais. Je sais ce que vous allez dire. Ce n'est pas raisonnable pour quelqu'un dans votre état. J'ai toujours cru que vous étiez un optimiste comme moi. Qu'est-ce qui vous prend? Je suis médecin. Et vous ne croyez pas en la divine providence? Si, bien sûr, mais... Mais? J'ai compris, j'abandonne. Vous ne changerez pas d'opinion. La première personne qui a été victime de la guerre était une fille de 20 ans.
Suada Deverovic s'est arrivé ici et se dirigeait vers les barricades, sans armes, pour une manifestation pacifique, quand les snipers ont tiré tout à coup. Plus loin, un volontaire italien a été abattu, Gabriele Locatelli. Il voulait offrir du pain à la fois aux soldats serbes et bosniaques en signe de paix. C'est là que sont morts Bosco et Admira. Ils étaient ensemble depuis 9 ans. Ils s'étaient rencontrés pendant leur scolarité. Elle était musulmane et lui chrétien orthodoxe. Ils fuyaient pour aller se marier. Des deux côtés, on leur avait promis de les laisser passer. Ils sont restés là pendant 5 jours. Il y a eu presque un demi-million de victimes dans les Balkans. 10 000 rien qu'à Sarajevo, au plein cœur de l'Europe. Le peuple de ce pays réclame la justice. La plupart des responsables sont libres et protégés. Êtes-vous sûr que ça va, Saint-Père ? Sinon, on peut remettre la cérémonie un peu plus tard. Non. Cela fait déjà trop longtemps qu'ils attendent. Quand l'espoir a été tué dans le cœur de l'homme, quel réconfort peuvent apporter les paroles ? J'ai appris que vous aviez subi une opération. Je m'offre corps et âme au Seigneur. Comme ça, il entendra vos prières. Sont pour votre santé. Je suis heureux que tous les deux nous prions pour la même chose. Saint-Père, je suis persuadée que vous priez pour moi. Mais je suis persuadée aussi de ne pas être la seule pour qui vous priez. Et cela me réconforte. Je comprends en vous écoutant ces mots que vous avez écrits sur votre mur. Ces mots qu'était de Christ sur la croix. J'ai soif. Nous avons tous soif. Nous attendons tous quelque chose. Saint-Père. Éminence. Alors, comment se présente cette journée mondiale de la jeunesse ? À vrai dire, plusieurs évêques français déconseillent à votre sainteté de se rendre à Paris. Mais je tiens à rencontrer tous ces jeunes. C'est là le problème. Le voyage est prévu en août, et les évêques français pensent que la jeunesse ne sera pas au rendez-vous. Ils ont peur que ce voyage soit pour vous une véritable humiliation. Un fiasco. Et vous le craignez aussi, Éminence ? Moi, je pense que vous devriez y aller, mais également prendre en compte les objections que les évêques ont soulevées. À Manille, il y avait presque 3 millions de personnes. Une foule enflammée. Tous moins de 30 ans. Vous savez qu'en Europe, c'est différent. Il y a des années, à Paris, il m'est arrivé quelque chose de très surprenant. Je venais de quitter un groupe de jeunes gens à qui j'avais parlé, quand tout à coup, j'ai entendu dans la foule un garçon crier. Pape Jean-Paul ! Pape Jean-Paul ! Pape Jean-Paul ! Pape Jean-Paul ! Pape Jean-Paul, je suis athée, je ne comprends pas votre foi. Qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que la foi ? À quoi ressemble Dieu ? Quel est le sens de la vie ? Vous voyez, Éminence, je dois me rendre à Paris. Ce garçon attend que je lui réponde.
Il y a des années, l'un de vos camarades m'a demandé pourquoi avez-vous la foi. Il affirmait qu'il était athée. Mais dans le fond de son cœur, il cherchait Dieu. Parce que chacun de nous a son histoire personnelle et unique. Et chacun éprouve le désir de rencontrer Dieu. Un désir que nous ressentons au moment même où nous découvrons la vie et la nature. N'oubliez pas, nous sommes tous capables de grandes choses si nous refusons d'être vaincus par la peur de notre propre faiblesse. Le futur est dans vos yeux. Nu sur la croix, abandonné et méprisé de tous. L'ultime sacrifice pour l'amour. Je vois s'ouvrir les portes de l'éternité. Et je remercie le ciel pour ma vie. Ils disent que j'ai créé trop de saints. La vocation de la sainteté est universelle. Elle n'est pas réservée aux martyrs, aux héros, ni à des personnalités particulières ou privilégiées. La sainteté consiste à vivre chaque jour selon les vrais principes chrétiens. Cela veut dire choisir l'amour, comme l'a fait Mère Teresa. Qu'est-ce que cela veut dire? Je croyais que nous étions ici pour discuter du jubilé de l'an 2000. Pourquoi est-il mentionné que l'Église doit faire une démarche de repentance? Merci à tous pour votre présence. Je propose que cette année sainte soit une année de purification de nos cœurs, de nos consciences et de nos mémoires. Reconnaît les erreurs et les fautes commises par ses fils au cours de l'histoire. Nous demandons pardon. Et nous reconnaissons notre responsabilité pour les malheurs d'aujourd'hui. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour les divisions qui sont apparues entre les chrétiens. Nous demandons pardon. Et nous pardonnons.
Ici, Moïse découvrit la terre promise avant de mourir, en sachant qu'il ne pourrait jamais y pénétrer. Voilà ce que vit Moïse. La terre promise. Une terre de paix, de justice, de bonheur, d'amour. Il l'aperçut de très loin. Une autre guerre en Irak serait catastrophique. J'appartiens à une génération qui a connu la Seconde Guerre mondiale et a survécu. Il est de mon devoir aujourd'hui de dire à tous les jeunes, à tous ceux qui sont plus jeunes que moi et qui n'ont pas connu ce que j'ai connu. Il est de mon devoir de leur dire, il ne faut plus de guerre. Non plus de guerre. Saint-Père. Ils appellent ça une guerre préventive. Moi, j'appelle ça tout simplement une guerre. Et ceux qui l'ont déclarée devront un jour en répondre devant Dieu. L'humanité n'a pas besoin de destruction, mais de construction. Elle n'a pas besoin de murs, mais de ponts. Dans une situation aussi désastreuse, nous éprouvons tous le désir d'élever nos voix jusqu'à Dieu. J'ai donc pris la décision d'inviter les représentants de toutes les religions du monde à prier ensemble une fois encore, en particulier les chrétiens et les musulmans, pour proclamer qu'aucune religion ne devra à l'avenir autoriser la mort et la haine à avoir le dernier mot.
Cher, vous savez que vous avez frappé le pape. Vous pensez qu'il ne va pas dîner ce soir? Il a un accès de fièvre. J'appelle le médecin. Emmenez-le dans sa chambre. Il ne devrait plus tarder. Éminence. Comment va-t-il? Laryngotrachéite aiguë. On ne peut pas continuer à ignorer son état. C'est trop grave. Qu'est-ce que vous conseillez? Le Saint-Père a toujours refusé d'écouter mes conseils. Mais cette fois-ci, un repos complet est indispensable. Veuillez annuler tous ces rendez-vous, absolument tous. On devrait publier un bulletin de santé. Pour dire quoi? La vérité. Virus de la grippe. C'est la saison pour ça? Oui, Père Stanislas. C'est la saison. Faites préparer une chambre pour moi. Je veux rester près de lui. Oui, bien sûr. Docteur, il vient d'avoir une attaque. Vous lui avez fait une injection de cortisone? Oui, mais cette fois, il n'a pas réagi. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. C'est un show. Impossible. Demain, c'est le mercredi des cendres. On commence les préparatifs pour Pâques. Je vous en prie, j'insiste. Si on ne vous emmène pas à l'hôpital immédiatement, vous allez étouffer. Saint-Père, je vous en prie. Vite, une ambulance. Appelez une ambulance. Vous vous sentez un peu mieux ? Merci. Voilà. Je dois rentrer maintenant. Non, pas encore. C'est trop tôt, Saint-Père. Patience, je vous en prie. Nous devons nous assurer que vous n'allez pas risquer d'autres complications. D'accord, mais je refuse d'être à votre prisonnier plus longtemps, docteur. J'ai besoin de temps pour prier et pour travailler. Il écoutera mon conseil. Faire tout ce qu'il faut, même contre son gré. Ma sœur, s'il vous plaît. Oui, mon père. Gino. C'est de la folie de quitter l'hôpital maintenant. Je suis désolé, docteur, mais le Saint-Père a beaucoup insisté. Rassurez-vous, nous emmenons une partie de l'hôpital avec nous. Dans son cas, j'ai peur que ça ne suffise pas. Docteur ! Docteur ! Laissez, je m'en vais. Thank you.
Saint-Père. Votre larynx est obstrué et rétréci, ce qui vous empêche de respirer normalement. Nous allons vous faire une trachéotomie. Ne vous inquiétez pas, c'est une opération assez simple. Il s'agit de pratiquer une petite incision dans la trachée afin de faciliter le passage de l'air jusqu'à vos poumons. Docteur, il m'a fait comprendre qu'il voudrait savoir si ça ne pourrait pas attendre jusqu'à cet été pendant ses vacances. Ça ne peut même pas attendre demain. Mais l'opération est relativement simple. Simple. Pour qui? Vous avez raison. Mais après ça, il ira mieux. Il va mieux respirer. Mais pour parler, nous n'avons pas le choix. Docteur, si jamais quelque chose arrive, je vais me trouver chez moi. D'accord. Alors, nous allons vous faire cette petite incision et vous ramener chez vous. Je vous donne ma parole. Comment vous sentez-vous? J'ai... Non, 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 non. Ne forcez surtout pas. Évitez d'utiliser votre voix pour l'instant. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Docteur. Docteur Buzzonetti. Oui? Vous ne pouvez rien faire pour qu'il puisse parler. C'est si important pour lui. Ça me fait autant de peine qu'à vous, mon père. Nous ferons tout ce qui est possible. C'est promis. Merci, docteur. Maintenant, ouvrez bien la bouche et dites... Et... Inspirez. Bien. Et maintenant, dites et... Inspirez. Maintenant, dites ah. Saint-Père, ça suffit. Vous allez être épuisé avant l'heure. Vous êtes prêt? Thank you.
Il a dispersé les hommes qui avaient une pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône. Mais il a élevé les humbles et les faibles. Ceux qui avaient faim, il leur a donné de quoi se nourrir. Mais les riches, il les a renvoyés les mains vides. Sa pression artérielle est en chute libre. C'est la troisième fois aujourd'hui. Il est en état de choc. Faites vite. Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
soit fiamme. Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca niebios, bramy. Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy. Restez éveillés, car vous ignorez le jour où viendra votre Seigneur. Ces paroles me font penser au dernier appel qui viendra au moment voulu par le Seigneur. Je souhaite que tout ce qui appartient à ma vie terrestre me prépare à ce moment. J'ignore quand cela adviendra, mais je confie ce moment, ainsi que tous les autres, à la mère de mon maître, Totus Tuus. Dans ses mêmes mains maternelles, je dépose toutes choses et tous ceux avec qui ma vie et ma vocation m'ont permis d'entrer en contact. Dans ses mains, je dépose avant tout l'Église, ma patrie et l'humanité tout entière. Merci à tous. À tous, je demande de me pardonner.